Nintendo est une marque associée aux jeux vidéo. Elle définit à elle seule, pour tous les néophytes, la représentation symbolique du média vidéoludique. À travers ses icônes, les personnages qu'elle a créés, qu'elle met en scène, qu'elle répète pour mieux les faire évoluer, la société a fini par entrer par la grande porte dans la pop culture. Et il a maintes fois été prouvé que Mario le plombier moustachu était à présent plus connu, mais surtout plus populaire que la souris de la société Disney. Et si les deux sociétés peuvent être mises côte à côte, c'est qu'à bien des égards, elles partagent un public commun, celui pour lequel elles communiquent le plus, à savoir le jeune public. Pourtant, il faut savoir évoluer. Les enfants deviennent des adultes, et, fine stratégie marketing, ces mêmes adultes, autrefois ensorcelés par la formule, se voient alors transmettre cet enchantement à leur progéniture. Mais alors, pourquoi les adultes restent-ils si on ne s'adresse plus directement à eux ? Disney avec Pixar, comme Nintendo avec ses éditeurs tiers, répondent à cette demande et créent indirectement des produits plus matures, avec un sens de lecture plus profond. Ainsi, la magie continue d'opérer et le consommateur d'être client de la marque. Nintendo, comme Disney, est à l'origine de révolutions, sur lesquelles ils ne communiquent pourtant pas. Et c'est en explorant, en fouillant dans cette légendaire discrétion, qu'on découvre des images olé olé dans les vieux dessins animés de Walter et qu'on affirme que c'est bien Nintendo qui est à l'origine du genre survival horror. Et dans bien plus de 2 minutes, vous en serez convaincus. Naïfs que nous étions, nous avons écouté et lu que la révolution était bel et bien française. Est-ce par pur chauvinisme ou par ignorance que Alone in the Dark est apparu au public français comme étant le premier jeu vidéo à vouloir faire peur? Pourtant, c'est en 1989 que les premières idées, aujourd'hui totalement digérées, sont apparues sur l'historique Nintendo Entertainment System, autrement connu au Japon sous le nom de Famicom. Lorsque l'on évoque la NES, on se souvient généralement de Super Mario Bros., Duck Hunt, les premiers Final Fantasy, ou encore The Legend of Zelda. Pourtant, la console de Nintendo accueille rapidement un grand nombre de jeux orientés vers l'horreur. Nous avons décidé de les classer en deux branches distinctes. La première, que nous allons appeler adaptation, montre que la console voulait se positionner comme un produit à la mode, un support pour produits dérivés de nouvelles grandes figures de l'horreur que sont Freddy Krueger, Jason et sa mère, le requin blanc des dents de la mer, ou encore les Ghostbusters. Et tant qu'à jouer la carte des adaptations, autant y aller franchement et proposer des titres dérivés des grands classiques de la littérature fantastique, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le Dracula de Bram Stoker, la créature du marais, ou bien encore la figure du loup-garou. D'un autre côté, nous trouvons des créations originales et des portages d'autres plateformes. La désormais célèbre série de Konami, Castlevania, fait sa première apparition sur la NES et sera déclinée en 3 épisodes. Metroid, création exclusive de Nintendo, propose un premier épisode également. Chiller adapte son gameplay de shooter de bande d'arcade, le joueur devant torturer des gens en tirant au bon endroit avec une réplique de fusil. Grâce à l'accessoire NES Zapper, les joueurs pouvant à présent démembrer des victimes à l'aise dans leur canapé. Mais ils l'avaient mérité, c'était des mauvaises personnes, dira Nintendo, pour défendre son choix de portage sur leur console, bricolant un scénario au dernier moment. Enfin, Ghost & Goblins fera transpirer le joueur dirigeant le chevalier Arthur dans un univers reprenant toutes les figures horrifiques de l'inconscient collectif à travers une difficulté hallucinante. Ghost & Goblins, que l'on peut mettre en concurrence directe avec Castlevania, est une œuvre signée Capcom. Et si le duel n'est pas encore entamé, l'histoire prouvera plus tard que lorsque Capcom se lance dans l'horreur, Konami n'est jamais très loin pour tenter de faire mieux. Tokuro Fujiwara réalise Ghost & Goblins, une création originale, en 1985. Quelques années plus tard, en 1989, le même Tokuro Fujiwara est approché par Juzo Itami, un réalisateur, acteur, producteur, ayant décidé d'injecter un peu d'argent dans la société Capcom pour adapter une œuvre cinématographique. Le tout jeune Kiyoshi Kurosawa, qu'on ne présente plus aujourd'hui tant son œuvre est fondamentale pour tout amateur d'histoire de fantômes, est en train de réaliser son 3e métrage, Sweet Home. Itami, précurseur sans en avoir conscience,
veut donc jouer la carte du transmédia et proposer Sweet Home sur la console de Nintendo, alors que son pan cinématographique sortira au même moment dans les salles obscures. C'est par cette œuvre que tout a commencé. Créant un traumatisme dont Nintendo ne se remettra jamais réellement, Sweet Home possède tous les attributs qui donneront lieu à la plus connue des sagas horrifiques. Alors Sweet Home, c'est quoi au juste ? Sorti en 1989 sur le sol japonais uniquement, ce RPG vu de dessus propose d'incarner une équipe de 5 protagonistes réalisant un documentaire sur des œuvres considérées comme des reliques, réalisées par l'artiste Ichiro Mamiya 30 ans plus tôt. Pour ce faire, l'équipe va se rendre dans le manoir Mamiya, aujourd'hui abandonné, et enquêter afin de retrouver les précieuses œuvres. Seulement voilà, le manoir semble être hanté par l'âme en peine de Lady Mamiya, la défunte femme de l'artiste, qui prend un malin plaisir à piéger la demeure et à invoquer des créatures chassant nos héros maintenant prisonniers. Manoir abandonné rempli d'énigmes, enquête dont la progression se voit entravée par la présence de monstres, impossibilité de fuir. Voilà qui n'est pas sans rappeler les bases les plus clichés du genre survival horror. Sweet Home propose également un système de soins à base d'herbes à mélanger. De plus, une partie de Sweet Home se fait obligatoirement en permadeath, c'est-à-dire qu'une fois un de nos personnages tué, il nous est absolument impossible de le faire revenir d'entre les morts. Ceci ne poserait certainement pas de problème si chacun des protagonistes ne possédait pas un objet unique, servant à progresser dans le manoir. Imbriqué pour Kazuo Oshino, le réalisateur du documentaire, un kit de soins pour Akiko Ayakawa, l'infirmière, une caméra pour Ryo Taguchi, cadreur-caméraman, un aspirateur pour Asuka, la spécialiste du dépoussiérage, et un passe-partout pour Emi Oshino, la fille du réalisateur du projet. Ajoutons enfin que chaque héros, en plus de son objet spécial, peut transporter deux, et uniquement deux, objets supplémentaires. La mort est donc souvent synonyme de perte d'objets et d'impossibilité de progression. Heureusement, pour pallier à cette difficulté, Sweet Home propose des salles de stockage où le joueur pourra déposer ses objets pour les retrouver plus tard dans le jeu ou dans une autre salle de stockage. Là encore, une drôle d'idée qui doit faire sourire nos spectateurs les plus malins. Il faut attendre 1992 pour voir la Super Nintendo se vendre en Europe. Une puissance deux fois supérieure à la NES sur le papier, elle propose également son lot de surprises en termes de jeux horrifiques. Dans la série Adaptation, on retrouve l'Alien, le Predator, Spawn, les dinosaures de Spielberg, ainsi que le Frankenstein de Mary Shelley, à nouveau le Dracula de Stoker et son confrère Nosferatu. L'horreur se fait plus originale sur la Super NES et rend des hommages assumés à la pop culture horrifique. Évidemment, on retrouve la suite de Castlevania et Super Ghouls and Ghosts. Reprenant les figures classiques de la littérature, et le très pulp Zombie Ate My Neighbors surf sur la vague du cool avec ses deux ados au look fashion 90s. On soulignera la présence de La Place Noma, ou encore celle de Clock Tower dont nous avons traité dans un de nos épisodes. Véritable flatterie offerte aux fans du cinéma de Dario Argento. Deux jeux signés Human Entertainment se démarquant radicalement des productions de Capcom et de Konami. Si la 16-bit de Nintendo se porte très bien, un projet avorté va faire beaucoup de mal à la firme, travaillant alors à une extension CD-ROM avec Philips et Sony. Deux projets non finis, le premier donnant à CDI, proposant via un deal avec Nintendo des jeux Zelda et Mario absolument épouvantables. Le deuxième donnant naissance à une concurrence inattendue, la PlayStation. Tokuro Fujiwara, encore lui, décide à ce moment-là de former une équipe afin de réaliser un remake du méconnu Sweet Home, profitant de la puissance de la machine de Sony. Il place à la tête du projet un de ses poulains en qui il a une grande confiance, Shinji Mikami. Mikami, qui n'a jamais joué à Alone in the Dark, précisons-le, avec tout le respect qu'il éprouve pour Fujiwara, n'est pas totalement fan du projet Sweet Home, et décide de remanier l'ensemble, en conservant ça et là des éléments du matériau de base, et crée alors une véritable révolution dans le paysage vidéoludique. Resident Evil vient de naître, et Nintendo ne s'en remettra vraisemblablement jamais. Jaloux au point de vouloir en posséder tous les opus, Nintendo va multiplier les tentatives et faire de la saga Resident Evil sa vitrine pour adultes. Une tentative de portage du premier épisode est tentée sur Game Boy Color, mais annulée pour résultat insatisfaisant. Capcom développera malgré tout un épisode exclusif à la portable, Resident Evil Gaiden. Le deuxième épisode se voit adapté sur Nintendo 64, GameCube, et un portage est également commencé pour Game Boy Advance, là encore annulé, pour résultat insuffisant. De même, pour le prototype de Resident Evil 0 sur N64,
qui se verra ressuscité sur GameCube, console Nintendo supportant le plus grand nombre d'itérations de la série de Capcom. Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil Code Veronica, un temps exclusif à la Dreamcast de Sega, Resident Evil 0 donc, ainsi que deux volets historiques pour tout fan. Shinji Mikami, voulant se rapprocher de la compagnie de Satoru Iwata, propose un marché difficile à refuser. Capcom va enfin donner à Nintendo ce qu'il désire le plus profondément, un épisode 1 en version augmentée uniquement sur GameCube. Ce volet, sobrement baptisé Resident Evil, se verra indexé par la communauté des joueurs avec la mention Rebirth. Véritable remake, le jeu est plus beau, plus fluide, et plusieurs de ses énigmes changent pour attirer les joueurs ayant déjà complété plusieurs fois le titre original. On y retrouve cependant tout ce qui faisait l'intérêt de la version PlayStation, ainsi que les personnages mythiques, dont Chris Redfield, dont l'objet de base est un briquet, et Jill Valentine possédant le passe-partout. Shinji Mikami, qui a peut-être à ce moment-là joué à Alone in the Dark, a mis toutes les cartes de son côté, et est maintenant prêt à jouer un des plus gros coups de sa carrière. Il propose à un Nintendo absolument enchanté, un projet risqué mais néanmoins important pour concurrencer Sony et Capcom 5. Exclusif, dans un premier temps, à la console cubique. Cinq titres sont mis en chantier chez Capcom, qui engagent alors des réalisateurs qui marqueront l'histoire du jeu vidéo. Resident Evil 4, dernière révolution de la série, redéfinissant à lui seul la valeur de la caméra dans un jeu à la troisième personne, fait partie de ce projet, qui mettra également en avant le travail, entre autres, de Suda Goichi et de son Killer 7. Enfin, Nintendo, profitant des ventes colossales de sa Wii, dont tout le marketing s'est basé sur une façon de jouer, propose deux rail shooters reprenant là encore les épisodes canoniques de la saga aux zombies, proposant maintenant aux joueurs de vivre l'aventure façon roller coaster, ce dernier n'ayant plus qu'à viser l'écran et tirer sur tout ce qui bouge. Bien entendu, il n'y a pas que Resident Evil chez Nintendo, et à côté de Clock Tower, on trouve de purs produits écrits et réalisés par la firme de Kyoto. Si Eternal Darkness rend hommage au culte des grands anciens de Lovecraft, il reprend cependant beaucoup des codes de Resident Evil, et par extension de Sweet Home. Luigi's Mansion, sous ses aspects de cartoon tout public, n'oublie pas de mentionner le jeunesse de Fujiwara. Notre plombier moustachu utilise un aspirateur pour chasser les fantômes, comme Asuka en 1989. La Wii propose également des titres assez étonnants, comme une adaptation de Manhunt 2, dans lequel le joueur est invité à achever ses ennemis en mimant les gestes avec la Wiimote. On trouve également Manworld, extrêmement violent visuellement. Mais n'oublions pas que c'est Monsieur Tokuro Fujiwara au game design. Et que dire de la série Project Zero, qui devient exclusive aux consoles de Nintendo à partir de son quatrième volet? Ce ne serait pas aussi drôle si l'homme derrière le projet n'était pas Suda Goichi, Monsieur Killer 7, engagé à l'époque de la NES par Human Entertainment, compagnie à qui l'on devra quelques années plus tard, Clock Tower. Project Zero, série horrifique, dont l'horreur est axée autour d'un accessoire, un appareil photo, qu'on rapprochera sans honte de la caméra de Ryo Taguchi. C'est donc ce petit jeu inconnu, jamais sorti officiellement du territoire japonais, qui est à l'origine de toute l'horreur que nous connaissons aujourd'hui. C'est cette cartouche qui hante encore aujourd'hui Nintendo. Ce Sweet Home, ainsi que trois créateurs, qu'on peut relier à la majeure partie de l'histoire autour des jeux 18+ chez Nintendo. Reste cependant une console peu fournie en frissons, la Nintendo 64. Probablement parce que l'horreur et le malaise ont trouvé une place bien confortable via une série phare dans laquelle nous étions peu enclins à les attendre. Zelda. Majora's Mask ne débute pas dans la chambre de Link, mais dans une forêt sombre. Cessant du clocher, aux aboiements du chien, aux coups de marteau de l'un des villageois, aux tentatives de crever le ballon de l'un des bombers. Dans Majora's Mask, le silence est synonyme de catastrophe. Afin de ne laisser à personne le temps de réagir. De plus, son esprit est incroyablement pervers, car, ce faisant, il s'enferme petit à petit dans la folie. Outre les jeux d'horreur, les licences les plus emblématiques de Nintendo, telles que Mario, Zelda ou Pokémon, connaissent également leur petit lot de frayeurs. Dans les Zelda, on peut citer l'ambiance de Majora's Mask, comme on l'a vu avec Tachi, mais également le puits du village Cocorico, ou encore les effrois dans Ocarina of Time, une cinématique cauchemardesque ou encore la femme du Yeti en boss dans Twilight Princess, et même, à plus petite échelle, la lune de sang dans Breath of the Wild. Dans l'univers de Mario, le plus évident, c'est les jeux Luigi's Mansion. Mais dans les jeux 3D Super Mario, c'est beaucoup moins évident.
Si je vous dis piano, ça vous rappelle des frayeurs ? Je pense ne pas avoir été le seul à me faire surprendre dans Super Mario 64. On a également les mystérieuses silhouettes sur une falaise du niveau magma glacé dans Super Mario Galaxy 2, ou encore cette apparition fantomatique à la fin d'un niveau de manoir debout dans Super Mario 3D Land. Dans les Mario RPG, on trouve beaucoup plus de phénomènes effrayants. L'ambiance de Mario & Luigi 2, Partner in Time, avec des villes dévastées et même des Toads absorbés dans les arbres. De plus, le fait qu'il semble y avoir quelque chose qui nous regarde à l'intérieur des fragments d'étoiles que l'on collecte est également très inquiétant. Dans Paper Mario 2, la porte millénaire, entre les légendes urbaines de l'arène de Yunanville, le fantôme du Crésus Express, ou encore la malédiction du village Penumbra et le fait que Mario ait eu son apparence de voler, on est servi. Dans Super Paper Mario, on peut citer la transformation effrayante de Mimic, la grosse faille destructrice de dimensions qui grossit sous nos yeux, ou encore les mains du lac au fond du monde du Game Over. La série Earthbound, connue pour son univers un peu psychédélique, a également des passages très glauques. Le boss final Gigias en aura traumatisé plus d'un. Et si je vous dis Kirby ? C'est mignon Kirby, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous montrer le boss final de Kirby Dream Land 3. Un œil qui explose dans une giclée de sang. Voilà pour les éléments issus de Nintendo, mais on a également des créations venant tout droit des fans, les Creepypasta. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce sont des histoires d'horreur qui se propagent sur internet et qu'on passe aussi à des légendes urbaines. Imaginez donc une histoire avec un objet aussi banal qu'une cartouche de jeu vidéo Nintendo tout public, virée en expérience horrifique. C'est justement ce décalage qui va décupler le côté effrayant. En général, les Creepypasta parlent souvent de cartouches ou de consoles hantées, achetées dans un vide-grenier, avec des modifications de contenu étranges et des messages adressés directement aux joueurs. Dans les Creepypasta les plus connus, on a Ben Drowned de Majora's Mask, avec cette terrible statuette qui nous suit au fil du jeu, Lost Silver de Pokémon Argent, avec un dresseur qui se transforme petit à petit en fantôme démembré, et avec des Arbis dans sa team Pokémon, ou encore un Pikachu au visage inquiétant, mais on a aussi des cartouches modifiées de Super Mario World, ou encore Super Mario 64. En creepypasta de console, on essaye sur la caméra Game Boy, avec ses dessins sur visage humain qui font flipper, ou encore sur la Nintendo 3DS. Aujourd'hui, on dispose de versions testables de ces cartouches hantées grâce à des hacks personnalisés des gens en question, ce qui permet de se plonger facilement dans le contexte horrifique des histoires. Vu que ces histoires sont souvent partagées sur internet via des channels de forums très connus, il est important de leur donner un côté suffisamment crédible pour que le lecteur reste dans le doute. On est donc dans le domaine du fantastique. Mais si une creepypasta est mal écrite et qu'on tombe trop vite dans des situations trop extrêmes, il devient de plus en plus dur d'y croire. Enfin, je voudrais vous parler du creepy gaming. Grâce aux fonctions online, il est possible de créer quelques frayeurs dans la communauté des joueurs. Ce qui fut le cas avec Animal Crossing New Leaf et son fameux village Aika, un village agencé par un joueur, de manière à ce que la mise en scène laisse penser à l'histoire d'une petite fille qui se balade avec sa poupée et qui lui aurait demandé d'assassiner ses parents ainsi que tous les autres habitants. On retrouve même des ossements dans les trous autour de ce qui semble être des tombes. L'existence du village est carrément arrivée aux oreilles de Nintendo, qui se demandait s'il devait le supprimer ou non. Du coup, si le sujet vous intéresse, en cherchant sur internet, vous pourrez trouver de nombreuses creepypastas de jeux vidéo. Les originales sont souvent en anglais, mais il existe de nombreuses traductions françaises. Enfin, la communauté hispanique semble également très active dans le milieu. Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996. Il s'agit d'une licence connue pour ses nombreux épisodes sur console portable, mais aussi pour son jeu de cartes à collectionner, son animé, ses mangas et produits dérivés. Le jeu puise largement, et depuis ses débuts, dans les codes classiques du JRPG. Mais il se distingue notamment par un système de collection et d'échange des créatures de console à console. Le jeu est accessible à tous les publics, et l'on peut, par sa structure, par la gravité adoucie des événements auxquels on est confronté, par les règles morales qui le traversent, le rapprocher du conte. Un Pokémon hors de combat est soignable, les conflits sont mineurs, les antagonistes sont des rivaux 100% shonen spirit ou des voyous hauts en couleur qui argotent à mort. Le but du joueur est double. Il s'agit de voyager et de se lier d'amitié avec tous les Pokémon en les capturant pour compléter le Pokédex, une encyclopédie, puis de les faire progresser pour vaincre ses adversaires et poursuivre son exploration. Le système d'évolution est le point de jonction de ces deux objectifs. Régulièrement, il faudra affronter un maître d'arène pour obtenir le droit de progresser dans le jeu. La difficulté croissante de ces combats paliers oblige le joueur à intégrer le fonctionnement de l'évolution. Pour visiter de nouvelles zones, il faut avoir été un peu au-delà de ce qu'offraient les zones précédentes, notamment en obtenant des Pokémon introuvables en les faisant évoluer. Un Pokémon fort est un Pokémon que l'on a entraîné et qui a changé de forme, et par conséquent un Pokémon rare que l'on ne trouvera pas forcément dans son environnement. Ce double objectif est renforcé par la structure double du gameplay et de l'interface de jeu propre au RPG. Le joueur contrôle tantôt un personnage, tantôt une succession de menus. Les deux architectures se confondent lors des phases de combat, pendant lesquelles on contrôle, via une interface, les choix du personnage imposés au Pokémon. Comme souvent dans les jeux Nintendo, l'avatar est silencieux. C'est un choix de mise en scène courant dans les productions de la firme. Il permet l'immersion et l'appropriation de l'espace et du temps de jeu. Ton personnage n'est rien d'autre que ce que tu veux qu'il soit. Ce sont les actions du joueur qui le définissent.
Dans Pokémon, le joueur est plongé dans l'univers d'un jeu aux enjeux sinon immédiats, du moins ancrés dans le temps présent. De toute la partie, ni le joueur ni l'avatar n'ont d'expérience directe de la mort. Dans ce jeu tout public où tout est immédiat et où rien ne semble avoir de conséquences, ce n'est que par la découverte d'une trace indiquant un fait divers qui s'est produit avant l'arrivée du personnage que le joueur pourra se confronter à la gravité de l'événement. Dans ce jeu où tout se joue au présent, on ne peut faire l'expérience du passé qu'indirectement, par son état fragmentaire et la mise en scène de plusieurs types d'indices au sein de la diégèse. Le premier de ces indices est la représentation physique de la mémoire des lieux, ou, en d'autres termes, la mise en scène de la spectralité à laquelle on se confronte. Dans la première génération, le joueur sera amené à crapahuter dans une tour cimetière de 7 étages. Cette zone fait référence au manque de place de la mégalopole. Il arrive qu'on installe les cimetières dans des bâtiments désaffectés. Au sommet de cette tour, le joueur rencontre un esprit frappeur qui bloque sa progression pour un temps. Ce spectre s'avérera être un ossature, un Pokémon revenu se venger de ceux qui l'ont tué, les antagonistes du jeu. Au centre de cet édifice se trouve également un sanctuaire qui soigne l'équipe du joueur pendant son ascension. C'est un espace très particulier puisqu'unique dans toute la licence. Il témoigne d'un léger décalage dans le gameplay. On y reviendra. Dans la quatrième génération, le vieux château est un bâtiment abandonné qui sert à accéder aux différentes formes de Motisma, un Pokémon poltergeist capable de prendre possession des appareils électroménagers. Le joueur, intrigué par ce lieu hanté par les fantômes des anciens habitants, se promènera de pièce vide en pièce vide, poussé par sa tentation de reconstituer la mémoire des lieux plutôt que par la quête qui lui avait été confiée en début de partie. Cela rappelle dans une certaine mesure les altérations de statut qui sont en combat à la spécialité des Pokémon Spectre. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans la 7ème génération, le Pokédex est tenté par un Motisma tout au long de la partie. Le support d'écriture, et donc par extension le support de jeu, est possédé par un esprit malin mais bienveillant qui consolide l'interface et le lien entre le joueur et le jeu. Et cela nous mène au deuxième indice de l'état fragmentaire du passé dans le jeu. Cet indice, c'est la trace écrite. Le manoir Pokémon est une bâtisse abandonnée de la première génération, dans laquelle le joueur doit récupérer une clé lui permettant d'accéder à l'avant-dernière arène du jeu. Son exploration est donc obligatoire. Cependant, on peut trouver dans cet espace un certain nombre d'extraits de journaux, qui attisent la curiosité du joueur, le détournent de son objectif principal et retracent la découverte de Mew et la création de Mewtwo, deux Pokémon légendaires, et les événements qu'ont impliqué cette découverte. Autre exemple, le joueur est amené, dans les jeux de la seconde génération, à traverser les ruines d'Alpha, une succession de temples antiques dans lesquels l'attendent des puzzles hiéroglyphiques qui lui permettent de débloquer l'accès aux Arbis, des Pokémon mystiques ayant la forme de caractères d'écriture cursive. Selon le Pokédex, ce Pokémon a la forme d'un caractère d'écriture antique. Personne ne sait si ces écritures antiques sont apparues avant les Arbis ou le contraire. Ainsi, les Pokémon sont placés sur un pied d'égalité avec la parole. Et si ces Pokémon n'ont aucune utilité quand ils sont seuls, il s'avère que ceux endormis sur les parois des murs forment des mots indices, qui permettent, via un système de résolution d'énigmes, de s'enfoncer plus profondément dans les ruines. On retrouve ces Pokémon au fil des jeux. Ils ne se contentent pas de créer un lien entre les mythologies des différentes régions, mais consolident ceux tendus entre notre univers et celui du jeu, via l'écriture. La tradition orale comme vecteur d'événements passés est le dernier indice. On ne remet pas en cause la parole d'un livre ou celle d'un interlocuteur de la même façon. Le passé parvient plus directement au joueur par le biais de l'histoire racontée à son avatar que par l'exploration d'un espace ou la fouille minutieuse d'archives. Si, dans Pokémon, toute information est transmise à l'écrit, le simulacre de narration d'un événement lointain dans le temps est plus efficace. Ici, on insistera sur l'acte de raconter. À l'avant-ville, une petite fille te demande si t'as peur des fantômes. Si la réponse est négative, elle te fout la trouille en te parlant d'une main blanche posée sur ton épaule. Ce qui fonctionne alors, c'est la sobriété du dispositif couplée à l'effet de surprise. La peur, ça ne peut pas venir d'un écran de 4 cm², et encore moins d'une môme qui te fait des farces. Et pourtant, le dispositif fonctionne. Le malaise s'installe un moment. Tout à l'heure, je mentionnais l'acte de raconter. Il me semblait intéressant de comparer avec vous, pour récapituler, quelques Pokémon avec quelques yokai célèbres qui les ont inspirés, pour mieux illustrer le pouvoir culturel d'un folklore entré dans la tradition orale, celui des contes, des histoires à se faire peur. Momartic, dont on dit dans le jeu qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges, vit, comme Yuki Onna, dans les régions enneigées. Elle congèle parfois les humains qui leur plaisent. Cependant, si Yuki Onna peut venir en aide aux voyageurs égarés,
Momartic ne craint pas de les emporter dans sa tanière pour les admirer à loisir. Spiritomb est un Pokémon composé de 108 esprits. Il provient d'une fissure dans une clé de voûte étrange. Pour faire Spiritomb, les créateurs se sont inspirés de Jibakurei, un esprit attaché à un endroit particulier et qui peut être agressif si quelqu'un pénètre sur son territoire. Spectrum est inspiré de Buruburu, un esprit farceur et discret dont le jeu préféré est de frôler ses victimes à l'aide de ses longs doigts pour mieux les terroriser. Il précède parfois les yokai ou les yurei, et l'on peut dire qu'il s'agit d'une explication au frisson que ressent le visiteur malaisé lorsqu'il traverse un couloir sombre alors qu'il n'est pas chez lui. Futakushi Onna est une femme dont une seconde bouche fend le crâne à la racine des cheveux. Celle-ci demande à être nourrie régulièrement. On dit d'elle qu'elle serait le produit de la violence conjugale ou de l'égoïsme d'une belle-mère acariâtre. C'est probablement ce yokai qui a inspiré Miss Dibul. Barbicha est un Pokémon poisson-chat qui se bat en provoquant des séismes. Il est inspiré du très turbulent Namazu, un silure géant terré dans la vase des profondeurs de la Terre et sur l'échine duquel repose le territoire japonais. Les poissons-chats semblent sensibles aux signes avant-coureurs d'un séisme, et c'est probablement cette observation qui aura inspiré cette légende au peuple japonais. Au Japon, le turbo est l'habitat préféré du Bernard l'Ermite. Une légende japonaise dit que quand une femme est proche de la mort en mer, elle devient un turbo. Quand ce turbo atteint 30 ans, il devient Sazae Oni, un démon crustacé qui émascule les pirates pour leur restituer leurs testicules en échange du trésor qu'ils ont amassé. Ce coquillage spiralé a sans doute inspiré Flagados ou Rwagada, deux Pokémon qui tirent leur pouvoir psychique de la symbiose qu'ils entretiennent avec un turbo qui leur injecte des toxines en les mordant, Coquillas. Pokémon Spectre, lieu hanté, description lapidaire, background indigent, extraits de journaux sont autant de seuils entre passé et présent. Les Pokémon inspirés de yokai, yurei ou d'autres types de manifestations paranormales du monde entier sont au centre d'un dispositif qui justifie l'espace du jeu. Il donne à voir la représentation cohérente d'une humanité au folklore multiple. L'exploration active du jeu au présent laisse la place à la progression vers soi d'un passé lacunaire. Le gameplay ne change pas, l'interface est la même, et pourtant on peut dire qu'ils sont altérés par la démarche du joueur. Dans le vieux château, on court à la chasse aux fantômes. Dans le manoir Pokémon, on cherche les manuscrits. L'apparition constante de Pokémon, qui aide normalement à achever le jeu, devient un opposant à la recherche des indices d'un événement passé. Les journaux relatent la naissance de Mewtwo, un Pokémon extrêmement puissant accessible après la fin du jeu, qui est né d'expériences de clonage par des scientifiques pour la Team Rocket. Ces découvertes permettraient de lever le voile sur la majeure partie du background du jeu. Mewtwo est créé par le Dr. Fuji, qui s'avérerait être Monsieur Fuji, le gardien du cimetière. Le joueur se trouve confronté au chef Giovanni, qui veut gratter la Master Ball pour réparer les dégâts et ou se réapproprier cette source inestimable de pouvoir. L'enquête prend le pas sur la quête. Les joueurs s'approprient l'espace de jeu, leur démarche dépasse le cadre du jeu. Le passé lacunaire et résurgent et l'absence de lore poussent le joueur à le reconstituer. On assiste ainsi à la multiplication de mods, fanfictions, creepypasta. Les joueurs finissent par hanter eux-mêmes la cartouche, en extirpent sa substance et prennent possession de son contenu. Nintendo, c'est peut-être la plus japonaise des entreprises du jeu vidéo, mais c'est aussi l'une des plus internationales. Et qui veut vendre ses œuvres à l'étranger se doit de s'intéresser à deux questions fondamentales, la traduction et l'interprétation. Pour ce qui est de la traduction, il faut reconnaître que les traducteurs ont parfois eu à se livrer un véritable jeu de massacre dans les textes, puisque la langue japonaise peut exprimer beaucoup en très peu de caractères. Le passage à l'anglais a donc été brutal, et certaines traductions sont tellement mauvaises que le joueur américain ou européen ne pourra juste plus prendre le scénario au sérieux. La période 8 et 16 bits n'a pas été facile pour tout le monde. Mais dans la même période, le plus regrettable, ce n'était pas ces coups de hache dans les textes. Il se trouve qu'avant d'arriver en Europe, les jeux, qui n'étaient que rarement destinés à être traduits dans une autre langue que l'anglais, passaient donc par la case États-Unis. Jusque-là, rien de grave. Le marché américain était à l'époque pour Nintendo un véritable champ de mine sur le plan légal.
D'abord parce que la NES avait un succès impressionnant. 34 millions de ventes contre 2 millions pour le concurrent direct, Sega, avec sa Master System. Sega qui n'hésitait pas à faire usage des lois antitrust pour mettre des bâtons dans les roues du kart de Mario. De plus, nous parlons de la décennie Reagan, l'un des gouvernements les plus puritains qu'aient connu les États-Unis. C'était la grande croisade contre ce que les réactionnaires appelaient le porn rock. Les femmes des sénateurs, Tipper Gore en tête, essayaient de passer des vinyles à l'envers pour y dénicher des messages satanistes, et harceler les juges afin de faire interdire Judas Priest, Prince, Twisted Sister et même Cyndi Lauper. C'était l'époque du PMRC et du stickers Parental Advisory Explicit Lyrics, censé alerter les parents sur des paroles de disques, qui finalement faisaient vendre davantage de disques, et qui est même apparu sur un album totalement instrumental de Frank Zappa. Et comme le jeu vidéo, produit tout public au Japon, était essentiellement vu par le public américain comme destiné aux enfants, il a fallu mettre en place Nintendo of America, une succursale dont le seul but était d'éviter les procès, procès que Nintendo, en tant qu'entreprise étrangère, n'aurait jamais pu gagner. Comment ? Par l'autocensure. Mais pourquoi nous parler de ça, à nous autres Européens ? D'abord, parce que nos spectateurs ne sont pas tous Européens. Et en plus, parce que souvent, ce sont ces jeux censurés qui nous sont parvenus en Europe. Pas question de sortir de versions anglophones. Alors sur quoi porter cette censure ? Le sexe et la nudité ? Bien sûr. Si une statue grecque apparaît en topless dans Super Castlevania, elle sera rhabillée. Bien sûr, les dialogues seront caviardés à la City Hunter. On réajuste les surnoms un peu trop sexistes, les costumes de lapines sont modifiés, et parfois un ennemi change de genre pour qu'on ne tape pas sur une femme. D'ailleurs, la violence doit être codifiée. On n'attaquera pas à coups de couteau ou de fusil un ennemi désarmé, ou alors il faut dire que c'est un zombie ou un robot. On ne tue pas d'animaux, pas d'innocents, et les cadavres disparaîtront en quelques secondes plutôt que de s'empiler. On ne parle pas de la mort, et les manuels diront que les ennemis sont détruits ou défaits, au prix de quelques non-sens. Pas de Fatality dans la version Super NES de Mortal Kombat. Et donc, la version de Genesis s'est beaucoup mieux vendue. Ce qui a incité Nintendo à modérer les foudres de ses censeurs. Le jeu ne se passant que rarement dans un milieu familial, la violence domestique n'était pas très souvent évoquée. Rappelons tout de même ce personnage de Hearthbound, la version USA de Mother 2, qui est privé de dessert plutôt que d'être fessé par son père hors champ. Les jeux de sport pour le public américain étaient développés en Amérique, avec cette règle en tête, et donc pas vraiment de censure à noter dans cette catégorie. D'ailleurs, Blade of Steel, un excellent petit jeu de hockey sur glace de la NES, permettait de boxer ses adversaires. L'interdire serait presque été trahir l'ambiance du hockey. Les stéréotypes ethniques sautaient en général à la traduction, comme Soda Popninski, le boxeur soviétique de Punch-Out, qui s'appelait au Japon Vodka Drunkensky. Pour ce qui est de la religion, c'est une autre histoire. Une petite référence grivoise pouvait parfois passer, mais une croix, jamais. Alors qu'en ce moment, les pisse-vinaigres de la bien-pensance veulent faire apparaître le Christ partout, l'idée à l'époque était plutôt de ne jamais mêler la religion avec la culture profane. D'où les croix qui sont remplacées par des RIP sur les tombes dans DuckTales ou par des boomerangs quand elles servent à terrasser un vampire dans Castlevania. Vous imaginez Van Helsing brandir un boomerang ? C'est aussi une question de vocabulaire. Comme hell c'est un juron et qu'on dit heck, comme les Français disent punaise ou purée, pour ne pas dire autre chose, le Hellhound de Secret of Mana s'est retrouvé transformé en Heckhound. Et même si ça se passe à Berlin en 1941, pas de moustachu, pas de swastika. Au fait, au sujet de Bionic Commando, le titre original au Japon c'était Top Secret, The Resurrection of Hitler. Et l'histoire parlait de ça. Ça a sauté à la traduction, mais ils ont gardé quand même la tête de Hitler. Comme il n'y a pas vraiment de gros mots en japonais, juste des niveaux de langage, cela n'a pas été difficile de gérer ça à la traduction. Par contre, au niveau graphique, il y a plein de majeurs levés qui se sont transformés en index.
pour ce qui est de la drogue, un seul exemple connu. Dans Final Fantasy Legend 2 sur Game Boy, il y a un redoutable gang de trafiquants d'opium. Aux USA, c'est un redoutable gang de trafiquants de bananes. Sinon, on efface les cigarettes des artworks, on remplace les bouteilles par des tasses de café. Et les bars de Final Fantasy, on va dire que c'est des cafés. La politique. Pour une raison qui, à l'heure actuelle, nous échappe, les développeurs japonais des années 80 et 90 n'étaient visiblement pas assez concernés par la politique américaine, puisqu'aucun exemple de cette règle n'est vraiment connu. C'est peut-être à cause de cette règle que Suck the Cat, Rocks the Hill n'est pas sorti, puisqu'il pouvait être vu comme une parodie de la politique américaine du moment, mais Nintendo of America a autorisé un bien plus satirique I'm Sorry, dans lequel on incarnait Tanaka Kakuei, le premier ministre japonais. Le but du jeu, voler de l'argent bien sûr. Vers le milieu des années 90, Nintendo se taillait aux USA une réputation de jeu pour gamins. Et bien entendu, cela avait une très mauvaise influence sur les ventes. Donc, quand est sorti l'Entertainment Software Rating Board, les esprits se sont libérés, et paradoxalement, cela a permis la sortie de titres plus adultes sur le marché. Le SRB, c'était la réponse de l'industrie face aux politiques des plus conservateurs, qui avaient le vent en poupe et qui voulaient tuer le jeu vidéo. Cette ouverture de marché a également libéré les esprits au Japon, les développeurs pouvant compter sur un public plus large. Et donc certains projets qui n'auraient pas pu voir le jour ont pu aboutir. Somme toute, Nintendo, si on exclut les plus grandes licences qui lui sont automatiquement associées et qui vont remplir les rosters de Super Smash Bros, n'a pas peur de l'horreur, ni vraiment de la violence. Il n'y a qu'à considérer l'impressionnante liste de Resident Evil sorties sur ses consoles. Comment concilier cette image family-friendly avec un catalogue qui inclut un très controversé Manhunt? Peut-être en n'en parlant pas. Quand on présente une nouvelle console, que ce soit la Switch ou la Wii, on ne présente qu'un gameplay, qui se doit à chaque fois d'être novateur et accessible aux plus jeunes comme aux plus âgés. Parce que sur un salon tel que l'eCube, les constructeurs de consoles ne parlent jamais aux joueurs. Ils parlent aux investisseurs et essaient de les convaincre qu'il existe encore une part de marché à prendre dans le jeu vidéo. Pour cette part de marché, Wii Sports. Pour nous, pour vous, Mad World. Deep in the night, you think everything's right. Tell it to yourself. Say it's just a nightmare. Something is telling you nothing can change where you are again. Why should it matter? Your dreams of a child. Innocence is gone, only fear to play with. Faces are changing, but nothing is changing the pain. Too late.